Yop tout le monde et surtout bienvenue dans le futur. Clairement là on peut le dire, on a fait un bond temporel grâce à cette guitare. Alors attention, soit cette vidéo va complètement vous irriter et vous allez péter un plomb. Soit vous allez être complètement impressionné. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Là on a affaire à un truc, c'est même plus atypique, il me faudrait un synonyme surpuissant du mot atypique parce que vous allez voir, c'est quand même complètement fou. Donc je vous présente cette guitare de la marque Mooer. Mooer à la base qui est voilà, une marque qui fait des effets, un petit peu d'ampli, etc. Jusqu'ici tout va bien, hein. Ça a l'air d'être vraiment une guitare normale, hein, une Strat avec un coloris un peu vintage, un beau manche quand même roasted, il y a des micros, voilà, une plaque un peu jaunie, un peu vintage. Bon, jusqu'ici on a une guitare plutôt typée, traditionnelle, tout va bien. Jusqu'à l'apparition de ce petit bouton qui, quand on le tourne, fait déjà de la couleur. Bon, on pourrait se dire, c'est peut-être pour le design, voilà, ça fait des trucs un peu jolis, de la lumière, mais en fait, quand tu commences à recevoir ça derrière, un câble aimanté, électrostatique, tout ce que tu veux, à brancher sur ta guitare pour la mettre à jour, c'est qu'il y a un souci. De plus, quand on t'apprend qu'on peut la brancher à la fois en jack, en USB, et que ici se cache une batterie surdimensionnelle du corps d'un cyborg, tu te dis qu'il se passe quelque chose, et cerise sur la guitare, cerise sur le gâteau, il y a une intelligence artificielle dans ce micro. Voilà, tout va bien, présentation faite, fiche technique, c'est fait. Au revoir, merci, au revoir, au revoir, merci. Bon, en gros, tout ça c'est bien beau, mais à quoi ça sert? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez avec cette marque-là? Alors, elle propose tellement de choses, cette guitare, c'est vraiment hallucinant que c'est compliqué de synthétiser. Mais comme son nom l'indique, la guitare intelligente, premièrement, déjà, elle embarque avec elle, en autonomie, ok, vous n'avez rien besoin d'autre, et bien plus de 150 effets. Delay, reverb, overdrive, distorsion, plein de choses. Encore une fois, à l'intérieur de cette guitare, eh bien, il y a plus d'une quarantaine de grooves de batterie, de rythmes de batterie en audio qui vont se déclencher, vous allez pouvoir jouer par-dessus, dans plein de styles différents. Autre chose assez folle, vous allez pouvoir définir chaque micro, bien dans quel style de guitare vous voulez qu'il sonne. Genre là, vous pouvez mettre un micro genre Strat, Fender Strat, simulé, ici Gibson, ici même acoustique, enfin... Ils sont partis loin, les gars. Et elle a même l'option de loop, de book, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer quelques accords, vous arrêtez, les accords que vous allez jouer vont tourner, comme ça vous allez les entendre dans votre ampli, et vous allez pouvoir vous amuser par-dessus. Donc oui, c'est dingue, et là vous me dites, mais comment on contrôle tout ça? Enfin, comment ça se passe, parce que j'ai qu'une guitare? Ben ouais, logique. Eh bien, c'est là où vous faites appel à votre smartphone ou votre tablette, puisque tout est gérable par l'application. Et en parallèle, vous pouvez contrôler votre guitare avec ce pedalboard qui est livré avec, en wireless, Bluetooth, et tout ça, s'il vous plaît, pour la maudite somme. Alors, c'est pas fixé encore, parce que, déjà, je tiens à dire que c'est une exclue, en tout cas en France. Voilà, on est les premiers en France à avoir cette guitare, puisqu'elle n'est pas encore disponible et sortie à l'heure où je vous parle. Alors, au moment de la vidéo, peut-être qu'elle le sera, mais si vous voulez, on est autour des 500$, donc entre 400-500€. C'est hallucinant, en tout cas pour tout ce que ça propose, avoir la qualité, c'est maintenant, on va voir ça directement, on va tester via l'appli, c'est parti, j'ai vraiment hâte, on y va. N'oubliez pas de vous abonner, effectivement ça soutient la chaîne, mais ça donne confiance aussi aux marques pour m'envoyer des produits comme ça, des choses atypiques, des choses nouvelles, et vous les présenter. Et si vous êtes vraiment chaud, vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce qui est la même couleur que cette guitare. Ok, donc j'ai lancé l'application. Donc là, a priori, on doit essayer de trouver notre guitare. Donc on va voir comment ça se passer. Donc je vais allumer le petit bouton, hein, voilà, on voit que ça s'allume, et ici... Hop, je recherche, il recherche ma guitare. Je l'ai trouvée directement, c'est magique, ça va très vite. Alors, je vais vous afficher tout de suite ici, bien ce que je vois en direct sur l'application. Donc voilà, on est dans le menu principal et on a accès à plein de petits boutons, donc on va fouiller. Donc ici, ce sont des sons différents. Alors, en clean, a priori, on peut avoir aussi du warm lean, du crunch, du tremolo clean, du blues, warm blues. Enfin, alors, par exemple, on va aller sur le blues, et si vous voulez, quand je joue... Quand j'appuie sur un preset à chaque fois différent, en direct, ça change le son de la guitare via le Bluetooth et c'est vraiment instantané. Donc on va se mettre sur le 12 blues pour voir. Écoutez, premier essai, alors on va pas se fixer là-dessus, mais bon. Pas mal, non? Alors on peut aller dans le funk, hein, par exemple, ça va être sympa, un funky, tiens, ça donne quoi? Tout de suite, ça change le son normalement.
C'est funky ça? Ok, d'accord, c'est un funky un peu énervé. Y'a pas un funky normal? Ok, on testera les trucs un peu de la chelouterie après. Bon écoute, on va continuer de fouiller, pour l'instant on s'amuse bien, c'est vrai. Alors on va juste voir en heavy ce que ça peut donner. Fast attack carrément, c'est quoi ça? Voilà, donc plus besoin de pédale, entre guillemets, plus besoin d'aller sur l'ampli qui est là-bas, on a tout à ta portée. Heavy metal. Un petit peu aigu votre truc, hein, heavy metal. J'ai même envie de dire c'est dégueulasse là. Alors par contre, est-ce qu'on peut pas aller le régler? C'est ça la question. C'est compliqué hein, de simuler un peu de la disto et tout, c'est un peu chaud. C'est vrai que, concrètement, on va se le dire, aucune marque de guitare n'a réussi à faire un truc bien dans les guitares intelligentes. Alors moi, j'ai eu la Jamie, vous l'avez vu, c'est pas pareil. La Jamie, c'est plus un contrôleur MIDI, donc c'est pas tout à fait la même chose. Il y a eu les Variax, effectivement, c'était pas mal. Après, moi, j'ai pas trop testé, mais je sais qu'il y avait ce côté très laboratoire guitaristique, et pour le coup, ça a pas mal marché. En tout cas, moi, j'en ai entendu du bien. Bon, on va tester encore 2-3 sons, mais je trouve que c'est quand même, si on peut dire, un peu gluant, mais appétissant. C'est merveilleux. On va tester du jazz pour voir. Bon, d'accord. Bon, écoutez, on peut se débrouiller. Donc, il vous propose un max de presets partout. Bon, comme as you are, peut-être. Ouais, ça marche. Grave que ça marche, même, je trouve. Donc il y a plein de petits clins d'œil, hein. Broken Roots, je crois que c'est Boulevard of Broken Dreams, notamment l'intro où il y avait une sorte de trémolo un peu bizarre. Ouais, c'est ça. Morceau de Green Day. Oh les souvenirs, les souvenirs. Donc voilà, plein de sons différents avec plein d'effets différents. Thank you.
C'est cool, franchement, ça se débrouille, je peux pas trop dire le contraire. Bon, pour être franc, je vous avoue, il y a quand même des sons qui laissent un petit peu à désirer. Donc voilà, je pense qu'il faut clairement faire le tri. C'est clair que c'est difficile de simuler des distorsions et tout, des overdrives. C'est surtout dans ça que ça pêche et j'ai un petit peu peur pour ce genre de guitare. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent être sympas à exploiter et d'autres qui sont... Voilà quoi. Et encore une fois, pour le prix, l'approche des 500€, c'est quand même impressionnant de sortir ce genre de choses. Alors après, pour qui c'est fait ce genre de guitare? Donc eux, dans le brief, en fait, voilà, ils ont bien insisté sur le fait que c'est pas du tout fait pour le côté professionnel ou aller loin dans la guitare. Ils sont plus là pour les débutants, débutants aussi en recherche d'effets, donc ont déjà un petit peu de guitare derrière eux et qui veulent fouiller les effets, et puis ceux qui pratiquent pour la passion et pour le plaisir. Bon, on retourne sur l'appli, on va aller voir un peu tout ce qui est justement loop, batterie et tout, là, voir un peu comment ça sonne. Bon, là, j'avoue que ça me fait un peu peur, parce que j'ai pas du tout commencé à être géré ce truc-là. Donc, on y va, on part sur les réglages. Donc là, on a plein de choses. Bon, on a l'accordeur intégré, hein, très bien. C'est bien aussi, justement, pédagogiquement. Alors, ah oui, il y a les accords. Donc ça, c'est sympa, d'accord, ok. On peut travailler nos accords. Vous voyez, il y a quand même un esprit pédagogique derrière tout ça, et ludique, c'est quand même vachement sympa pour trouver nos accords de plein de styles différents, avec plein de formes différentes, ouais. Ça, j'approuve à 100%. Il y a le looper qu'on testera après, j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc maintenant, on va voir le truc que je conseille fois 1000 à mes élèves, toujours de bosser avec une batterie derrière. Donc on va voir ce que ça donne, est-ce qu'on peut retrouver quelque chose de sympa. Maintenant, voilà, on nous propose plein de styles de rythme de batterie différents. Voilà, 16 mesures, 8 mesures, quoi que ce soit, on va prendre rock'n'roll, on va voir ce que ça donne. Alors la vitesse, hein, on peut régler évidemment la vitesse. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, donc là, j'ai la batterie qui est lancée. 1, 2, 3, 4. Ok, ça marche, alors je ne sais pas par quelle sorcellerie... Qu'est-ce donc cette diablerie ? Ça fonctionne, puisque en gros pour moi, et ça fait déjà fait ça sur des guitares intelligentes, c'est que la batterie sort, mais imaginons que vous avez un preset de distorsion derrière, eh bien il y a de la distorsion sur la batterie. Là en fait, la batterie est vraiment séparée sur l'un des micros, je ne sais pas comment c'est géré. Félicitations à eux. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment la batterie séparée et la guitare derrière aussi séparée. On peut changer en direct le son de la guitare et on peut mettre aussi plus fort ou moins fort. Et encore une fois, il y a plein de styles de batterie différentes. La bossa nova, par exemple. Et ça sur pleine vitesse, tempo différent. Alors ça, vraiment, c'est super. Pédagogiquement, il n'y a rien à dire, c'est mortel, on peut pas dire le contraire. Alors en effet, le problème de ça, c'est que ça facilite beaucoup de choses. Les gens ne recherchent plus rien. Les backing tracks de batterie, les trucs, les instrumentales, on cherche plus rien, on a tout en un dans notre téléphone. Bien, mal, à vous de me dire aussi. Hein. Alors fouillons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc l'accordeur, bon, ça, il n'y a pas de souci, hein, ça devrait... marcher, ok, pas de problème. Mais moi, ce que je veux voir, c'est la fameuse loop, le looper. Encore une fois aussi, pour la pédagogie, l'amusement, le côté ludique, c'est génial. Alors, comment ça marche? Donc ça, de toute façon, après, on va voir un peu avec la pédale directement. Je ne l'ai pas encore branchée, ou en tout cas connectée, parce qu'on ne branche plus les choses, a priori, maintenant. Donc, je suis censé lancer ça. Ah, dès que ça détecte un son, la loop se lance. Donc, on n'a plus besoin d'appuyer. Et écoutez, on ne fait plus rien, maintenant. Alors, on recommence. Je l'ai fait à la main, ça va être un peu tangent. Ok, donc normalement, je peux jouer par-dessus. C'est plutôt très bien. Je crois même qu'on peut réenregistrer encore par-dessus. Je vais relancer une boucle par-dessus. On va faire un peu de percu.
fait, avec les petits éléments que j'ai fait tourner l'un après l'autre, ça a construit un thème qui tourne en boucle et je vais jouer par-dessus une impro. Bref, je trouve ça vraiment excellent. Alors là, j'étais au doigt, donc il devait y avoir un petit peu de décalage. La réalité, c'est que je pense que ça se fait avec le pédalier. On va voir comment ça se connecte et tout. La loupe est vraiment très sympa. Encore une fois, pédagogie ludique, très utile, super. Ah oui, oula, juste avant le pédalier, je vais vous montrer l'option du changement de son en fonction des micros. Enfin, quel type de gratte on veut, c'est assez fou. Donc regardez juste un truc. Quand je change le micro sur l'appli, ça change en direct. Hein. Hop, hop, hop. Bref, ça détecte. Je ne sais pas par quelle magie, ça détecte. Donc, vous voyez, en bas, il y a marqué 60 strates, donc strates années 60, puisque, en fait, en fonction de chaque micro, on peut choisir quel type de son de guitare on met. Et en gros, on a plein de choses différentes, des télés, des cougars, des piezo, de l'acoustique. On peut même mettre une acoustique. Faites voir ce que ça donne. J'ai pas trop une acoustique, mais on sent qu'il y a du changement. Je peux me mettre en LP tout en haut. Bref, voilà, on peut se faire un peu une guitare sur mesure en fonction de ce qu'on aime. Ça permet aussi à certains débutants de découvrir les sons. Après, je pense qu'il faut se dire que ça fait pas vraiment le vrai son d'une Les Paul ou d'une Strat. Ça simule juste et on sait très bien que la simulation, c'est un peu particulier. Pour rappel, là, je passe par mon ampli qui n'est pas réglé, qui est juste en clean. Donc évidemment, il faut un ampli. Et aussi, je précise, quand le bouton ici est éteint, qui est au final le détecteur Bluetooth pour bosser avec l'application, on peut l'utiliser en gratte normale. Il n'y a aucun problème. On n'est pas obligé d'utiliser l'iPhone pour que ça marche ou l'iPad. On peut vraiment l'utiliser en guitare standard. La brancher dans un ampli et ça marche. On a donc la possibilité de soit être dans le futur, voilà, ou soit être dans l'ère actuelle, normal, sans stress. Bon, alors voyons comment ça marche au niveau de ce truc là. Est-ce que ça détecte déjà automatiquement? Donc c'est vert, très bien. Ok, donc là je l'ai trouvé, je peux changer directement mes presets. Donc je me mets sur le A, le B, C. Bon, non. Et le D. Donc là, pour le coup, c'est vraiment super qu'ils intègrent ça avec l'achat de la guitare, puisque on est complètement autonome, on n'a plus besoin de rien. C'est vrai qu'il y en a qui achètent des amplis où il y a distorsion et tout, et au final, ils appuient avec le doigt pour changer, enfin, ça ne marche pas. Là, on peut contrôler au pied. Imaginons que vous devez jouer un morceau où au début, vous êtes en clean, et après en distorsion, et après, on doit changer de son avec un effet un petit peu plus reverb, delay, chorus. Et bien là, on peut tout contrôler, on peut mettre 4 sons différents. Et vous voyez que je peux faire des multi-presets, hein, voilà. Hein, si à un moment, on a besoin de combinaisons différentes, on en a combien? Donc on en a de 0 à 9, donc c'est 10 presets x4, donc 40. Bon, si vous avez des questions, posez-les en commentaire parce qu'il y a plein d'autres choses à aborder comme le temps de charge, comment on la charge, etc. Enfin, plein de petites précisions comme ça. Dans tous les cas, je vous mets le lien en description de là où vous pouvez trouver le maximum d'infos. J'ai été très content d'être parmi les premiers à tester cette guitare. Là, on sent quand même que dans le futur, on va pouvoir aller très loin. C'est à la fois flippant d'un côté, mais ça peut être aussi rassurant. On le voit avec les nouvelles générations qu'ils utilisent à 90% de leur temps, eh bien les téléphones pour faire chaque action, écouter de la musique, voir un film, prendre des renseignements, acheter, voir les mails, tout. Donc pourquoi pas utiliser justement les smartphones, les tablettes et puis l'intelligence artificielle mêlée à l'art de la guitare. Ça peut peut-être faire dans les prochaines années des choses assez folles. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, comme d'habitude, ce fut un énorme plaisir de partager ça avec vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !